régulièrement des sessions de casino en partenariat le avec le streamer Fortnite. Des milliers de personnes et donc des centaines. Ah, c'est abusé. Mais son petit sourire là, ça se voit qu'il le sait que c'est une merde. Sur la responsabilité des streamers. Attends, mais Sardoche, il a dit que j'étais une merde en live. Non, mais il. Non, mais la face. Écoute, moi je suis analyste psychologique, il le dit. Regarde. Il n'y a pas de problème. Non, mais il le dit pas de. Regarde, regarde sa tête. Pas de problème. Il le dit, mais ça se voit qu'il le dit pas de façon méchante, monsieur. Arrête. D'accord. Ça se voit, écoute, regarde. Ah, c'est... Juste, rappelle. Non, juste, regarde. Moi, je prends note. Je m'embrouille plus avec les gens, je prends note. Ils me le répéteront en face. Non, mais moi, arrête. Mes live casino à 2h du matin. Hier, j'ai... Ah, faut arrêter, frère. Je suis le seul streamer Fortnite qui fait des live casino et qui fait ça après 2h du matin, qui fait de la prévention depuis le début, frère. Depuis le début, je dis pas avant minuit, pas machin, et les gens, ils me tirent dessus. C'est des trucs de pute. Non, mais après, la façon dont il le dit, c'est sur. Vous savez bien que vous avez. Votre commune, généralement, des gamins de 13 ans. Non, là, on fait un sondage. Moi, j'ai déjà fait souvent, mais là, on va dire que ma communauté, elle est. La moyenne, c'est 27 ans. Quand je me fais tout le temps tirer dessus et c'est moi le toxique. De ma mère, je peux pas comprendre ça. J'en arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais personne. La moyenne d'âge de ma communauté, c'est 27 ans. Juste. Tout le monde pique, tout le monde t'insulte. Et toi, tu réponds, t'es un toxique, frère, je comprends pas. On va faire. Attendez, je vais faire un sondage moi-même, vous allez voir, pour voir si vous êtes majeur ou pas. Sondage, tout de suite. Alors, votre âge. Alors, votre âge. Je suis majeur. J'ai plus de 25 ans. J'ai plus de 30 ans. J'ai plus de 60 ans. Vas-y, on va aller voir combien il y a de mineurs dans ma communauté. On va aller voir tout de suite. Le problème de Sardoche, c'est que frérot, c'est le premier à se faire taper dessus par tout le monde, etc. Et dès qu'il a l'occasion, il fait pareil que les autres, tu vois. Frère, il est dans la même position que moi. Il a les mêmes trucs, dès qu'il fait quelque chose, il est jugé, etc. Lui, il juge juste avec un clip comme ça de 2 secondes. Voilà. Il voit déjà qu'il dit un truc et il clip. C'est le pire mec. Non, mais c'est une vanne. Mais moi, je vais pas te mentir, tu vois. Il a 20 000 viewers et il dit ça de manière premier degré, frère. Faut arrêter de mentir. Non, il a pas dit de premier degré. Ça, il a dit avec son petit sourire, ça se voit que c'est une merde. Ouais, bon, j'avoue qu'en vrai, c'est pas le truc. La vie de toute ma famille, frérot, c'est pas des menaces ou je sais pas quoi. Mais par contre, quand les gens ils parlent comme ça devant des milliers de personnes et qu'ils te rabaissent gratuitement, ils me le répéteront en face. Ça veut dire qu'un jour, on sera mené à se rencontrer, il me répétera ça en face. Je jure que je filmerai même. Non, mais ok, Tommy. Ah non, la vie, c'est un petit buzz en plus. C'est quoi, vas-y, pas de problème. Non, mais. 15 000 personnes, c'est quoi? Au moins, il se renseigne, il essaye de savoir. Ton micro, il coupe. Moi, j'ai trop quelqu'un qui a une commu Fortnite. C'est du Jordan, c'est du Cocteau, ça à la limite. C'est pas toi qui fais beaucoup de Fortnite. Frérot, moi, je lance du Fortnite, je fais moins de viewers que quand je lance du FIFA. Faut arrêter avec la commu Fortnite, j'ai pas de commu Fortnite. Ouais, ça, par contre, ça, c'est. Ça, en vrai, c'est. Ben, c'est... En fait, on est. Tu vois, je vais. Moi, je. Tu vois. Nous, on est, même si on a toujours beaucoup de Fortnite, tu vois, notre communauté en soi, c'est, enfin, nous, quand on joue à Fortnite, la plupart des gens, ils nous disent casse-toi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Notre communauté, elle est, c'est plus une communauté générale, tu vois. Quand le moment où il y a le plus de monde sur la live, c'est pas sur Fortnite, tu vois. À la limite, on est en train de gagner la World Cup, tu vois. Mais genre, la dernière fois sur Olympique, j'avais plus de viewers que quand en pleine Cash Cup où je jouais plutôt bien, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, c'est qu'il y a un truc. C'est juste que on a commencé avec Fortnite et au fur et à mesure, notre communauté, elle s'est étendue, tu vois, voilà. Fortnite, mais j'ai le droit d'évoluer, changer de. Oui. Moi, j'aurais pas le droit comparé à un autre. Moi, je fais ça après minuit. Après, je fais des choses bien, tu vois. J'ai pas fait ça comme un schlag. J'ai pas lancé à 17h. Dire les gars, mettez mon code, je sais pas quoi. Ouais, c'est grave. Ils modifient les trucs, ils font passer pour. Et puis, en vrai, je vais être sincère. Nous, en fait, on le voit bien. Moi, les gars, je vais pas me rassurer. Moi, les gars, il y a tout sur mes lives, tout sur mes rediffs. J'ai mes rediffs en répertorié d'avant même. Moi, j'ai rien à me reprocher, les gars. C'est pas quoi, j'ai pas le droit de faire du. Casino comme tous les streamers slot. Et puis je vais te dire un truc, nous on est open, on dès qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question, on est transparent, tu vois, on dit tout ce qui se passe. Avec l'affiliation, j'ai gagné à peu près 10 000. Et avec le casino, le retrait, moi je connaissais rien au contrat, etc. Moi on était les premiers à parler du casino en mal quand il y avait des problèmes, etc. Tu vois, quand il y avait des. Ouais. Des comment dire. Attends, une seconde. Tu fais des préventions comme tous les autres streamers, mais toi, comment on sait que les préventions sont dans le vent? Mais ma Twitch, c'est-à-dire qu'en gros, je vais être honnête avec toi, dire que je fasse de la prévention ou pas, les gens vont pas s'inscrire. Point. C'est-à-dire que moi, je suis pas un streamer casino, c'est-à-dire que les gens, ils regardent juste mon stream, tu vois. Point. Ils s'en battent les couilles, personne ne joue. Arrêtez, il y a Doc Jay-Z, il a la commu Crouton, les gars, et c'est du casino, il y en a plein. Arrêtez, on peut pas gérer tous les gens qui regardent nos lives, c'est quoi ces conneries? Genre, les gars, moi j'ai les statistiques, hein. Dans ce cas-là, Togby, Gotaga qui font du poker en stream. C'est de l'argent, c'est interdit aux mineurs. Pourquoi on leur dit non? Ouais, bah oui, mais après, tu vois, il faut. Tu vois, c'est. En fait, c'est tout. Je vais t'en servir. Moi, je pense que c'est aussi. Vu que les chiffres, ils sont énormes, tu vois.
ça donne plus en... Tu vois, je sais pas. Moi, j'en ai marre. Enfin, je vais être sincère, moi, les moralisateurs, les gens qui vont... Là, le mec, enfin, le roi des rats, il a allé appeler l'ANJ ou je sais pas quoi, là, pour le truc. Moi, je trouve que c'est ambiance 39-45, je vais être sincère avec vous, mais... Vas-y, mais voilà, quoi. Genre, j'ai parlé en MP, le roi des rats, c'est un bon, frérot. C'est pas une mauvaise personne ou quoi, tu vois. Juste que lui, en fait, il a fait une recherche globale, tu vois. Et que, le malheureusement, en fait, quand il fait ce genre de vidéo... va généraliser tout le monde, tu vois, il va pas... Ouais, mais tu vois, limite, il aurait pu envoyer des MP, moi, j'ai pas eu le droit de... Moi, tu vois, je considère que normalement, je devrais avoir un droit de réponse, tu vois, sur... Par exemple, moi, tu sais, dans sa vidéo, il dit que je vais jouer un putain de gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas que... et genre... C'est bizarre d'avoir un vocal... Non, mais moche, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, tu sais ce qui s'est passé ou pas. J'ai joué à Fortnite avant, je suis passé en stream, il était toujours dans le vocal, il s'est démute et il m'a parlé... Et à la base, on parlait calmement, tu vois, c'est mon premier stream casino, la tête de ma mère. J'ai même pas pensé, c'est parce que j'ai l'habitude, tu vois. Il s'est démute et il a parlé, tu vois. Ça m'a... Et il a démute et là d'un coup il dit truc. Et dans la vidéo, tu vois, je n'ai pas écouté ses calls, j'ai rien écouté. Et en fait, le truc, c'est que Teuf, il avait coupé le clip, tu vois. Et il a mis pour que j'ai l'air le plus fils de pute, tu vois, possible. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à Gordom. Je leur ai envoyé la rediff en entièrement. Je leur ai traduit ce qui s'était passé et ils ont dit que c'était bon, tu vois. Genre, tu vois, genre, ça me casse les blondes, ce clip. Mais non, mais bien ça j'assume que c'est une erreur d'avoir eu quelqu'un en truc. Mais je veux pas qu'on dise que derrière je l'ai fait jouer, ce qui est faux, tu vois. Les gars, voilà. Moi je suis pas dans la sauce, les gars. Moi, on parle de moi un tout petit moment et on me dit que j'ai une commu Fortnite. Ce qui est faux. Quand je lance du Fortnite, je fais moins de viewers que sur les autres jeux. Certes, à l'époque j'avais une commu Fortnite, ça fait un ouais, moment. Ouais, ça a changé depuis. Les piges, ils vont voir autre part. Ils sont autre part. Bref, vas-y. Ça sert à rien d'argumenter ici. Moi, je vais réagir à 22h calmement. De manière courtoise. Mais ok, il y a des dérives. Mais moi, j'ai pas une. Bon, vas-y, tu peux. Il y en a un, faut le ban. Il est tout le temps chiant. Qui mais vas-y. Qui Enzei. Mais c'est un bol aussi, troll. Moi, il me saoule aussi. Vas-y, Enzei, je t'avais prévenu. Attends, je vais voir c'est quoi son message qu'il a dit. Mais je suis en retard. Vas-y, je t'avais prévenu gentiment, Enzei. Je te mets. Il troll. Mais je m'en bats les couilles, tu trolls. À un moment, apprends à saisir la situation. Je t'ai gentiment dit en MP que si je te débannissais, arrête de troll comme un fils de pute. Donc si tu comprends pas, je te mets 24 heures et demain, si tu me retrolls ou tu retrolls qui que ce soit, tu prends un perma. Voilà. Moi, je te dis, depuis le début du live, il me troll, il fait des trucs. Mais moi, tu vois, j'ai. Mais il me casse les couilles. Tu me casses vraiment les burnes, mec. Genre, apprends à troll au bon moment, s'il te plaît. Ouais, vas-y, continue. Comment ? Les gens, ils aiment bien tomber. C'était sur Internet, ça veut dire que là, les gens, ils sont heureux. Tu sais, il y a beaucoup aussi... Il y a des gens qui ont une morale, tu vois, et qui vont essayer de faire valoir leur morale. Il y a des gens qui sont jaloux. Mais je m'en bats les couilles. Non, mais Enzei, je le connais, c'est juste... Il est là à tous mes streams, gros. Je sais très bien, c'est juste un troller, il veut que je le remarque. Je parle de ce que tu fais et tout, faut pas maintenant, tu vois. Mais est-ce que t'es au courant que moi, j'en ai rien à foutre que des gens qui me connaissent pas et qui me jugent? Ça me fait ni chaud ni froid, ça me passe. Attends, mais tu m'entends mal depuis tout à l'heure, frère. Ouais, ton micro, il pue la merde. Attends, je vais baisser. Cause bordel. Ouais, j'avais mal. Genre, Meshwe, ça, c'est vraiment un truc que j'ai, c'est que je m'en branle que quelqu'un qui me connaisse pas, qui me juge, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, c'est mais non, quand même pas, tu vois, parce que c'était sur Internet, faut quand même... Moi, j'aime pas que les gens, ils aient une fausse image, tu vois. Je m'en fous, je m'en tape. On n'est pas des gros chiens, tu sais, les gens, ils aiment trop, ils sont passés pour des... Moi, je te dis, genre... À combien de fois on s'est dit en live, tu vois, il y en a, ils abusent, il y en a... Bah ouais, mais on peut rien faire, ouais, tu vois, on peut rien faire par rapport à ça, tu vois. Mais moi, le truc par rapport à la vidéo du Roi des Rats, je trouve ça dommage, surtout pour une accusation aussi grosse qui est de faire jouer des gosses en live. Il est pas envoyé un MP, dit ouais, bonjour, j'ai un clip, est-ce que je peux avoir ta réponse officielle, ma vidéo elle sort, tu vois ce que je veux dire. Ça prend 2 secondes de faire ça, en mode je vais pas répondre. Genre, bah tiens, je trouve ça dommage, quoi. Mais bon, qu'est-ce que je te dis. Moi, j'ai l'impression pas que les streamers ils agissent et qu'ils aient pas tous les tenants aboutissants, tu vois. Salut Vita. Ça va au calme. Ouais, c'est juste plus facile, ils vont réagir, ils vont se moquer de nous. Alors qu'ils ont pas les tenants aboutissants et ça, c'est dommage, tu vois. C'est des personnes, ils ont des grosses communautés. C'était pas ton premier live casino, c'était mon premier live sponsorisé. La tête de ma mère, c'était mon premier live sponsorisé. L'un de mes premiers lives sponsorisés au casino. Le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Fais des lettres sa vidéo, non, parce que sa vidéo, un, je fais pas des lettres une vidéo de quelqu'un, parce que moi je considère qu'il y a liberté d'expression et tout. Deux, c'est pas une solution de délettre la vidéo. Si je fais délettre la vidéo, genre les répercussions vont être énormes. Et trois, je suis pas un fils de. La raison dans la vidéo, juste, il aurait dû t'en parler. Mais non, en fait, les gars, c'est que sur la grosse partie, il dit des trucs vrais parce que bah, forcément, ouais, il fait une vidéo, ouais. Il fait des recherches, il est obligé de dire des trucs vrais. Mais les gars, c'est pas parce que tu dis beaucoup de trucs vrais que t'as raison sur toute la ligne. En fait, le truc, c'est que
En gros, il prend des situations de streamer casino, par exemple, je vais te donner un exemple. Les gros, gros streamers. Exactement, gros, et il l'applique à nous, c'est ça. On gagne pas, frérot, faut le dire. Par mois, en affiliation, je gagne peut-être 400 balles, même pas. Genre, c'est bien, mais c'est pas, comme il dit, des millions, ils sont dirigés, je gagne 400, 500 balles d'affiliation par mois, même pas. Et encore maintenant, avec ce qu'il y a maintenant, c'est 200, 100 balles, enfin, y a plus, on peut plus... Y a rien, ouais, y a rien maintenant. Moi, je vais être sincère, moi, c'est même pas 50. Hein. Moi, je vais faire un partage, je vais montrer, hein, je gagnerai, hein. Je vais demander à Gundam si je peux, je vais montrer, frérot, ils vont rigoler, les gens. Ça me fait rire, tu sais, genre... Moi, je serais chaud de montrer, mais le problème, c'est qu'il y a des liens, tu vois. Je serais vraiment chaud de faire des screens. En vrai, je vais faire des screens. Si vous voulez, je vous fais des screens. Ah ouais, tu peux pas faire ça, parce que... Je vous fais un screen, je vais juste vous montrer. Je vous fais un screen, les gars, voilà. Mais je vous montre, vu que ce screen, il veut rien dire, tu vois, j'ai fait un screen. Là, j'ai screen instant, hein. J'ai pas eu le temps de faire un partage de, tu sais, un truc PNG, hop, vous affiche. Donc là, moi, j'ai été avec ce casino pendant 6 mois. J'étais combien de temps, Vita, avec 5 mois 5 mois 4 mois, je pense. 4 mois, voilà, donc... Ouais, donc voilà, tac. Regardez. 4 mois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai inopé, tu vois, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que personne. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait virer. L'une des raisons pour lesquelles je me suis viré, c'est parce que je leur rapportais rien, tu vois. Ah, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que en gros, c'est moi qui les ai baisés, entre guillemets. Mais derrière, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, moi en soi, c'est juste, je voulais pas dépenser ma thune, je voulais juste jouer au casino, tu vois. Je voyais des gens y jouer, je me suis dit, vas-y, je vais jouer, mais j'ai pas envie de perdre ma thune, tu vois. Et les 24 tout à l'heure que tu as dit, les 24 que tout à l'heure, ah les 24 que tout à l'heure, bah c'est moi qui les ai perdus les 24. Hier j'ai joué 24, je les ai perdus. Voilà. Ouais. C'est le destin. C'est le destin.